Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Révérend Père, chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche du temps de la Pentecôte, selon la liturgie maronite, les lectures nous encouragent à l'écoute de la parole de Dieu. Heureux l'homme qui m'écoute, nous avons entendu tout à l'heure dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, verset 34. Si nous sommes comme beaucoup à la recherche du bonheur, pourquoi ne pas écouter Dieu ? Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, écrit « Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu. » Et tout à l'heure, Michel en a parlé de ce verset. « Ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour qui ? Pour ceux dont il est aimé, pour tous ceux qu'il aime. Si vous cherchez à connaître Dieu, pourquoi ne pas lire sa parole ? Jésus dit à Jude, appelé Thaddée, que nous fêtons aujourd'hui d'ailleurs, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. » Frères et sœurs, vous qui aimez Dieu, continuez à garder sa parole précieusement. En lisant, en écoutant et en gardant la parole de Dieu, notre vie sera comblée, le bonheur. Nous connaîtrons Dieu, la connaissance, et notre cœur devient un lieu où Dieu fait sa demeure. Saint Jean-Paul II parle du cœur comme d'un foyer central, de la conversion ou du refus de Dieu. En ce mois du Sacré-Cœur, Sainte Marguerite Marie raconte « Après, il me demanda mon cœur ». Elle parlait d'une apparition de Jésus à Paray-le-Monial. Merci à Juliette qui a préparé cette belle décoration pour nous rappeler que nous sommes dans ce beau mois de juin où nous honorons le Sacré-Cœur de Jésus. Frères et sœurs, ces lectures que nous avons écoutées sont une bonne préparation pour recevoir les sacrements de baptême et de la confirmation de notre cher Marco aujourd'hui, tout à l'heure. En préparant le baptême, ses parents ont exprimé cette volonté de mettre leur enfant sous la protection de Dieu. Jésus, dans cet évangile, va plus loin qu'une protection, encore plus loin. Dieu va jusqu'à faire sa demeure en nous. C'est magnifique. Il ne se contente pas de nous protéger. Dieu est en nous, il est avec nous. Et c'est un très grand cadeau que les parents font quand ils demandent le baptême à leurs enfants. Pour comprendre ce cadeau, pour atteindre cette connaissance, nous avons besoin de lire sa parole, la parole de Dieu, comme nous rappelle saint Paul. Oui, frères et sœurs, c'est un très grand cadeau que nous avons reçu au baptême. Je rends grâce au Seigneur, avec vous particulièrement, pour Dr Yonis aujourd'hui. Quand je l'ai contacté pour lui présenter mes condoléances, je n'avais pas besoin de le réconforter beaucoup. Le réconfort est venu de lui. Il m'a dit « Oui, vraiment, le Christ est ressuscité. » Quel beau cadeau que tu fais en mémoire de ton papa en ce jour. Bien que je n'ai pas eu la chance de connaître le papa de Michel, je rends grâce au Seigneur pour lui également, parce qu'il a su transmettre le trésor de la foi, ce grand cadeau. Et nous avons vu que ce trésor, une fois cultivé, une fois admiré, nous fait progresser et grandir et nous donne cette assurance, frères et sœurs. En cette fête des Pères, continuons à grandir dans notre connaissance de Dieu, en gardant sa parole, et nous témoignerons qu'il est notre Père plein d'amour et que nous autres, papas d'ici, nous avons beaucoup à apprendre de notre Père céleste, lui qui est plein de miséricorde. Au Seigneur la gloire pour toujours. Écoutez, l'ahabba, bihal ahad al-mubarak,
الأحد الثالث من عيد العنصرة من زمن العنصرة كل القراءات بتشجعنا نقرأ بالإنجيل. إذا بدك تكون سعيد بحياتك اقرأ الإنجيل، إذا بدك تتعرف على الله اقرأ الإنجيل، إذا بدك تغوص بحب الله اقرأ الإنجيل. الله بده يسكن بقلبك كرمال تتركه يسكن بقلبك، تقرب منه، افتح كلمته، اسمعني. أحد الماضي عيدنا الثالوث الأقدس، واليوم اسمعنا بالإنجيل أبي والروح القدس وأنا. إنجيل ثالوثي، في الثالوث الأقدس موجود، وبيضل الثالوث الأقدس سر كبير بالنسبة لنا. ولكن نكتفي ومنقول لما يسوع قال لهم لتلميذه عنده باسم الآب والابن والروح القدس، يسوع عم بيبيننا عن الله آب وابن وروح قدس. واليوم بمعمودية ماركو اللي اجوا أهل من لبنان كمان مش بس من فرنسا، نرجع منعمد كمان ومنضل نعمد باسم الآب والابن والروح القدس، وربنا عم بيحل بقلوبنا بسر المعمودية كمان. وهيدي الهدية اللي عم تعملوها لابنكم هي هدية كبيرة، ومع الوقت أكيد إن شاء الله بيعرف هالهدية الكبيرة، بيفهم شو هي هالهدية. لأ الله المجد للأبد، أمين.